irabilengi rame forora. Temei baba ninga palenebe irabilengi rame forora. Imuti mirio wime de irame kafera. Imuti fefe suru de irame kafera. Mesdames, Messieurs, votre fidélité à Manège nous honore. Nous avons le plaisir de recevoir ce jour Sa Majesté Gaston Épée Body. Sa Majesté, bonjour et bienvenue à Manège. Bonjour, merci d'être venu. Et félicitations pour ce chef-d'œuvre. Merci beaucoup. Majesté, nous sommes très honorés, comme l'avons dit, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? C'est moi qui vous remercie déjà d'être venu ici au Palais Royal du Canton Vassin, à la chefferie supérieure. Je suis Sa Majesté Mboud Épée Gaston, chef supérieur premier degré du Canton Vassin dans l'Ouvry, successeur légitime de mon prédécesseur, Sa Majesté mon père, Mboud Épée Conrad, qui a régné pendant 36 ans, c'est-à-dire du 18 février 1967 au 1er mai 2003. Et pourriez-vous nous parler un peu de ce Canton Vassin du Ouvry? Les uns disent Bassa de Douala, les autres Bassa du Ouvry. Comment est-ce qu'on vous appelle exactement? Nous sommes les Bassa du Ouvry, les Bassa qui ont occupé les premiers, les rives du Ouvry, avant les Douala, Bakoko et les Douala. Nous sommes donc les premiers occupants des temps modernes de la ville de Douala. Nous ne sommes pas les Bassa de Douala, nous ne sommes pas les Douala, nous sommes les Bassa qui sont dans le département du Ouvry. Votre canton va d'où à où? Combien de villages y a-t-il? Combien d'âmes vivent dans ce canton? Nous sommes l'un des six cantons du département de Ouvry. C'est le département de Ouvry à six cantons, dont six chefferies de premier degré. Le canton Bassa, le canton Bakoko, le canton Akwa, le canton Bel, le canton Bel-Belé et le canton d'Aïdo. Le canton Bassa est donc à cheval sur deux arrondissements aujourd'hui, l'arrondissement de Douala 3e et l'arrondissement de Douala 5e. Nous sommes des Bassa, comme les Bassa de la Sénégal maritime, comme les Bassa de Nyon-Ekélé. Nous sommes arrivés au même moment dans la grotte sacrée de Goltoua et il y a une dispersion. Nous sommes arrivés dans les berges Goury. Les autres, il y en a qui sont restés en Sénégal maritime et d'autres qui sont partis dans l'Union Ekélé un peu partout dans le Cameroun. Donc nous avons accueilli donc les Bakoko et les Douala et actuellement le canton est occupé non seulement par les Bassa mais également par les autres tribus, n'est-ce pas, du Cameroun. Oui. Donc le canton est devenu un canton cosmopolite. Et comment ça se passe entre ces différentes tribus qui La cohabitation est parfaite, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir quelques problèmes de limite au niveau de voisinage, mais sinon la cohabitation est parfaite. Il n'y a pas de conflit majeur oui. entre les populations. Et depuis combien de temps vous êtes à la tête de la chefferie et quelles réalisations vous avez pu faire? Je vous ai dit tantôt que je suis le successeur de mon père oui. qui a régné pendant 36 ans, donc de 1967 à 2003. Donc il y a une petite période de vacances et je suis donc le chef supérieur du canton Bassa depuis ma désignation le 20 février 2007. Et nous avons mis en place une organisation qui se déroule normalement et nous avons des projets. Certains sont déjà réalisés, d'autres sont en phase de réalisation. Mais comme la chefferie est un travail permanent, nous avons toujours du travail à faire. Actuellement, vous voyez comment le palais a été fait lors du décès de mon père. Le palais était un grand chantier. Aujourd'hui, nous avons aménagé, donc nous sommes à la phase finale. Nous avons également du travail au niveau des chefferies, des quartiers, les chefferies de village. Donc, il faut dire que le travail du chef n'est pas comme le travail d'un député qui a un mandat ou d'un conseil municipal. C'est un travail qui se fait progressivement et tant que le chef est là, il doit trouver mettre les projets en marche pour travailler pour les populations du canton. Là seulement les Bassa qui sont dans les Bassa du Ouvry, mais de toutes les populations qui sont dans mon territoire de commandement. Si ce n'est pas une indiscrétion, comment est-ce que le chef a pu s'y prendre pour avoir un si beau palais? Disons que
Le chef n'a pas les mains coupées. Le chef travaille, je suis déjà avocat de profession, ce qui fait que, eh bien, dans le cadre de mon travail, j'ai mes honoraires qui me permettent de vivre normalement, décemment. Et puis, il y a la générosité, n'est-ce pas, des populations. Bon, il est vrai qu'elle n'est pas très prononcée comme ailleurs, mais elle est quand même là. Elle permet que, de temps en temps, les populations donnent un coup de main pour que les choses marchent. Oui. Donc, vous êtes en symbiose avec vos populations, vous partagez les moments heureux, les moments malheureux. En général, oui. Quelquefois, de temps en temps, comme dans toute société, oui. Avec, même si c'est dans une famille, le père ne toujours pas en odeur de sainteté avec ses enfants. Mais en gros, ça marche bien. On arrive à mettre la paix et à continuer, à regarder dans la même direction. Et, Majesté, quels sont les problèmes que vos administrés rencontrent, que le canton traverse? Quels problèmes? Beaucoup plus les problèmes d'ordre foncier et domanial. Vous savez que le canton Bassa est semi-rural, semi-urbain. Oui. Ce qui fait que le canton Bassa est également, n'est-ce pas, le plus grand canton dans le département de Goury. Si bien qu'aujourd'hui, le centre-ville de Douala est saturé, les gens se rabattent un peu plus vers le canton Bassa. Donc, il est convoité, les gens veulent habiter le canton. Si bien qu'il y a ce problème de litige foncier, n'est-ce pas, entre les populations. Et c'est le gros d'ailleurs du contentieux dans le canton Bassa. Nous arrivons à le gérer avec l'assistance, n'est-ce pas, de l'autorité administrative. Vous savez, il y a le domaine national, une partie du terrain qui appartient à l'État, domaine national, une partie qui est la propriété des individus, donc qui ont un titre foncier à titre privé. C'est bien donc que le litige commence à notre niveau, il peut s'y arrêter si les parties sont d'accord, on arrange, donc on règle le contentieux, mais si les parties ne sont pas d'accord, eh bien, soit qu'on va vers l'autorité administrative ou alors à la justice. Voilà comment on règle les problèmes d'ordre financier, d'ordre foncier et domanial dans le canton de Bassa. Mais en général, ça se passe toujours bien dans l'ensemble. Vous avez dit tantôt qu'il y a eu certaines réalisations, il en reste. Est-ce qu'on peut savoir ce qui a été fait et ce qui reste à faire? Nous travaillons en collaboration avec l'autorité administrative, avec la mairie, avec la sous-préfecture, si bien que nos réalisations sont également celles de la commune d'arrondissement de Douala 5e et la commune d'arrondissement de Douala 3e. Donc les routes, nous participons au reprofilage des routes. Nous participons, n'est-ce pas, au bien-être en général, n'est-ce pas, des populations. Donc ce qui veut dire que nous ne nous approprions pas de toutes ces réalisations. Oui. Donc nous collaborons, nous aidons l'autorité administrative. Hein, comme là maintenant, vous avez le problème de Boko Haram. Nous devons travailler, sensibiliser les populations pour mettre la vigilance dans chaque maison, pour que les populations soient vigilantes, pour dénoncer tout comportement ou toute personne suspecte. Donc, quand il y a la campagne de vaccination, nous nous impliquons forcément pour aider, n'est-ce pas, les médecins à vacciner nos enfants. Donc, nous participons à tout ce qui est comme activité, n'est-ce pas, dans le canton. Donc, vous savez que le chef supérieur ou le chef en général, il a une fonction, donc il doit s'occuper de du côté social, du côté économique, du côté culturel, n'est-ce pas, les populations. Donc notre travail va dans ce sens-là. Autant que le sous-préfet, autant que le préfet, autant que le gouverneur, on a les mêmes missions, en général les mêmes missions, mais chacun dans son cadre. Et sans compter les missions traditionnelles et donc, culturelles que nous avons, n'est-ce pas, pour promouvoir la culture, la tradition, nos traditions. Ça, c'est le travail de tous les jours. Et parlant de la culture, qu'est-ce qui vous spécifie des autres tribus? Quand on voit un Bassa de Vouri, comment est-ce qu'on peut le définir? Alors, qu'est-ce qui spécifie une population ou la culture d'une population? Vous savez qu'il y a la langue. Nous sommes dans la ville de Douala, avec les Bakoko, les Douala et les autres. Mais nous avons notre langue, oui. La langue Bassa, qui n'est pas la langue Douala. Dites quelque chose à vos populations en Bassa. En Bassa, même Yahana, Inkumahop, le Mekabo, Mitiwa Nihina, qui sont Bassa, Perbello, de la Yahana, Nikir Bonghana, la Yagombe Lam, Nigila, le Longye, il a Imam, Bassa, Maïma, Nengpunan, comme ça, la Yahana, Imba Bassa, la Pourri.
Qu'est-ce que vous leur avez dit? Je dis que nous sommes, je leur dis déjà que je suis en compagnie de la CIAP-TV pour passer le message, expliquer ce que c'est que le canton. Oui. Nous venons, qu'est-ce que nous faisons ici et ce que nous sommes. Donc je disais donc qu'il y a la langue, il y a déjà notre alimentation, même si elle est aujourd'hui un peu hybride, parce que avec la cohabitation, nous épousons un peu, n'est-ce pas, la culture des autres. Mais qu'est-ce qui est le plat traditionnel d'ici? Le plat traditionnel d'ici, nous mangeons le ndolé comme les douala, mais surtout le ndolé. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que c'est le ndolé, c'est le douala. Le ndolé, c'est Bassa, puisque c'est nous qui avons les champs, c'est nous qui avons la forêt. Donc, le ndolé se cultive. Si tu n'avais pas de terrain, vous ne pouvez pas cultiver le ndolé. Donc, c'est nous qui avons le ndolé, le Bassa. Nous avons le manioc. Voilà. Nous avons le macabo, nous avons le taro. Nous avons le mbongo. Le bongo qui n'est pas la propriété non plus des gens de Lyon et Kélé ou Saint-Mathieu. C'est la propriété de tous les Bassas que nous sommes aussi. Oui. Voilà. Donc, nous avons la chance que c'est une richesse d'ailleurs. Nous avons ce qui nous appartient avec les autres Bassas ailleurs et ce que nous avons pu prendre, n'est-ce pas, de la cohabitation. Tout à fait. Et le vêtement, ça fait partie, je vous vois habillé, parce que quand on voit souvent, on se dit ça, c'est les Sawa. Oui. Traditionnellement, nous devions mettre, n'est-ce pas, les feuilles de bananier. Oui, tout à mais fait. Normalement, cette époque est passée, elle est revenue. Mais nous mettons le pain qui est plus large et qui nous permet de nous identifier par rapport au grand savant. Tout à fait. Ouais, et les dames mettent leur cabas, voilà. Et leur beau foulard. Voilà. Encore que ce n'est pas un Africain qui a créé le cabas. Il paraît que c'est Madame Alphès Sakai qui l'a créé. Nous sommes. Nous sommes habitués à cela. Mais je sais quelles sont vos préoccupations. Quand vous regardez votre canton dans l'ensemble de la région du littoral, quand vous vous couchez, vous vous dites qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que vous pensez faire pour que ce canton ne soit pas à la traîne? Notre préoccupation essentielle est que dans le Voury, le canton Bassa a une place privilégiée, essentielle. Nous avons l'une des grandes zone industrielle du Cameroun. Voilà. Nous avons l'hôpital de référence de Douala. Nous avons l'université de Douala. Nous avons beaucoup d'opportunités sur le plan économique et social. Mais nous avons l'impression que nous sommes restés des parents pauvres. Voilà. C'est-à-dire que nos enfants, quand vous allez visiter toutes ces usines qui sont à Bassa, peut-être moins d'1% de Bassa sont dans ces usines-là pour travailler, la société. Donc, notre préoccupation est qu'on tienne compte de cette réalité. On ne dit pas que toutes les unes du canton, si on a le canton Bassa, doivent être occupées par le Bassa. Oui. Mais au moins, qu'on tienne compte que ces populations existent et qu'il faut quand même que les jeunes travaillent. Bon, il est vrai que certains également choisissent leur métier, mais en général, il faut tenir compte de la proximité des populations par rapport à l'usine. Parce que si la jeunesse n'a pas d'emploi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire que c'est un avenir qui est complètement bloqué. Donc nous voulons travailler avec les responsables de cette société pour que au moins nos jeunes, les jeunes du canton Bassa, pas seulement les jeunes du Bassa, du Voury, mais du canton Bassa, puissent trouver de l'emploi dans cette société-là. C'est une préoccupation permanente. Oui. Et nous, on pense que ayant toutes ces usines, vous devriez bénéficier de ce qui sort des usines. Tout à fait. Nous devons bénéficier. Mais le fait de tout n'est pas de bénéficier dans le sens d'avoir de l'emploi. Oui. Et dans le sens, pas dans le sens qu'on nous donne des cadeaux ou des choses qui viennent de ces gens comme en titre en guise de cadeaux. Non, dans mais qu'ils participent au développement de voilà. Du canton. Si les jeunes travaillent dans cette usine-là, ils auront les moyens de se développer. C'est ça le plus important. Oui. Il faut apprendre à un enfant à pêcher et non, lui donner le poisson tout c'est, le temps. Tout à fait. C'est... Et Majesté, dites-nous un peu, quel projet immédiat après ce palais? Sûrement, vous avez autre projet qui vous tient à cœur. Il faut dire que
les projets d'espace qui manquent. Mais il faut déjà mettre l'accent sur les projets qui existent déjà dans les communautés. Vous savez, si vous apportez un projet à une communauté, alors que cette communauté n'entend pas de ce projet, ça ne sert à rien. Donc, il est question qu'on demande à chaque communauté, peut-être à chaque village. Nous ici, Ndougou, prenons le cas de Ndougou. Tout projet, c'est de construire, malheureusement, nous n'avons plus le terrain, de construire vraiment des, peut-être une grande salle, un grand complexe où il y aura un stade de football pour les jeunes, où il y aura, n'est-ce pas, un restaurant, où il y aura peut-être tout ce que, dans un seul endroit comprimé, tout ce qu'on peut trouver, qui peut développer, qui peut motiver les jeunes. Malheureusement, nous n'avons plus ici en Ndougou. Mais il est question que, dans les autres villages, qu'on essaie de trouver des pays, des complexes. Complexes où on va trouver un peu de tout. Même, et ça peut créer des emplois pour les jeunes. Ouais. Et nous avons presque fait le tour de votre canton. Mais à l'entame, vous nous avez dit également que vous êtes avocat. Et vous faites partie du barreau du Cameroun? Oui, je suis avocat depuis 1981. Donc ça fait pratiquement 33 ans de l'avocature. Ah oui. Même si je ne vais plus plaider dans le palais de justice parce que ma posture de chef supérieur ne me permet pas de le faire. Mais j'ai mon cabinet qui tourne, je consulte beaucoup, j'ai les collaborateurs qui travaillent et qui vont plaider, n'est-ce pas, au palais de justice. Donc vous encadrez les jeunes. Je forme les jeunes, donc c'est ça. Et dites-nous, quels souvenirs vous gardez de vos 33 ans passés au barreau, peut-être pas au barreau, mais comme avocat. Vous savez, l'avocat a des hauts et des bas. Ouais. Il y a des procès qu'il perd, il y a des procès qu'il gagne. Il y a un qui perd alors qu'il pensait les gagner. Oui. Mais comme ce n'est pas lui qui est le juge, donc je peux dire que c'était une profession très exaltante. Et je souhaiterais d'ailleurs que l'un de mes enfants, n'est-ce pas, prenne cette place, parce que je me suis retiré un peu tôt. Et pourquoi? Mais à cause de la chefferie, ouais. Je n'ai plus plaidé. Mm-hmm. Je me suis retiré, je ne me suis pas retiré du barreau, mais je me suis retiré, n'est-ce pas, des prétoires. J'aimais bien plaider. Vous savez, j'aime faire ce combat entre confrères. Malheureusement, je ne peux plus le faire. Donc, mais parce que c'est la loi ou pas? Non, ce n'est pas la loi, il n'y a pas d'incompatibilité. Ouais, mais voilà. Alors, vous voyez en train de plaider, de gronder, de. D'être même rabroué par les magistrats devant la barre, devant mes sujets qui sont là, qui suivent le procès, c'est pas digne. Ouais. C'est pour ça que j'ai estimé que je reste au cabinet, je consulte, je conclue, et puis j'envoie les autres plaider, parce que bon, c'est comme ça. Il n'y a pas d'incompatibilité. Plaider. Il y a des avocats, il y a des chefs de troisième degré, même deuxième degré, qui vont plaider, mais un chef supérieur, c'est un roi. Hein? C'est quand même un roi, il ne peut pas se mettre à la barre. Et puis rester là assis pendant qu'on attend que c'est à la préscience aussi. Hein, dans tout à le fait. Si vous avez un dossier, vous avez des aînés, il faut passer le dossier avant vous. Vous êtes là assis. Vous voyez, pendant ce temps, j'ai des gens, les dossiers qui m'attendent à la chefferie doivent venir régler le contentieux. Oui. Donc, c'est vous avez préféré la chefferie. Voilà. Tout en faisant mon travail dans mon cabinet, mais avoir une interface avec mes collaborateurs. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Racontez-nous une histoire. Parce que 33 ans dans un métier, c'est beaucoup de temps. Oui, ce qui m'a marqué, c'est les procès. Mais il faut dire qu'il n'y a pas eu de grands procès pendant que j'allais au prétoire. Les grands procès, c'est les procès politiques actuellement qui viennent. J'aurais bien voulu être au barreau, à la barre, être en train de plaider les grands procès. Ouais. Ou les procès. Bon, donc, pas seulement au niveau des détournements républiques, mais également des contentieux électoraux, par exemple. Malheureusement, depuis 2007, même avant d'ailleurs, puisque j'étais déjà représentant de mon père, de 1995 jusqu'à sa mort. Bon, j'y allais, mais très, je n'y allais plus beaucoup. Oui. Ça fait que les grands procès, je n'ai pas eu à les connaître. Mais sinon, j'ai géré les petits procès que j'ai eu à gérer. Donc, contentieux foncier, contentieux administratif, contentieux familial, c'est-à-dire en matière de divorce, en matière de soutien de la famille en général. Oui. Bon, mais ça a été. Je crois que je n'ai pas été déçu. Oui. Et pour les divorces, vous aviez eu à plaider beaucoup de dossiers. Oui. Beaucoup de dossiers, on ne peut pas citer les contemporains, mais beaucoup de dossiers. Si vous consultez les archives de la justice, vous trouverez que
Maître Mouri a été l'avocat de soit la partie, soit de la partie civile, soit, n'est-ce pas, les prévenus, soit en matière familiale, soit, n'est-ce pas, de telle ou telle partie. Donc j'ai eu à gérer beaucoup de dossiers. Dans mon cabinet, je suis à peu près à 50 000 dossiers. Hein. Oui. 50 000 dossiers. Et quel conseil donnez-vous aux familles, aux foyers? Est-ce qu'il faut aller à la barre ou on peut commencer, on peut la le première, faire la première chose, la première chose d'ailleurs, c'est qu'il faut essayer de ramener son client à ne pas divorcer. Oui. C'est pas une bonne chose. Mais Pourquoi c'est pas une bonne chose? Mais parce que quand vous êtes unis, vous êtes mariés, c'est d'ailleurs on le dit devant l'officier d'état civil, pour le meilleur et pour le pire. Même devant Dieu, oui. Même devant Dieu. Donc c'est au pire des cas qu'on doit aller, qu'on doit divorcer. Donc l'avocat a le devoir de dire à son client que quelles que soient les causes qu'on peut évoquer, il faut d'abord chercher à faire une conciliation. Ouais. C'est pour ça que cette conciliation est même également prévue par la loi, toujours devant le grand instance, n'est-ce pas? Donc on tente d'abord la conciliation, si elle n'aboutit pas à ce moment-là, on vous autorise à aller, à continuer votre procédure. Ouais. Donc c'est ça. C'est pas normal que les gens qui sont restés ensemble, qui sont aimés, subitement comme ça, pour quelques raisons, bon, ils divorcent. C'est pas conseillé. Bon, maintenant, comme c'est également prévu par la loi, des cas extrêmes, il faut y aller et puis bon, c'est comme ça. Majesté, on sortira bientôt de cet entretien. Quel message adressez-vous aux jeunes et à vos administrés? D'abord, aux jeunes, je dis qu'il ne faut pas se décourager parce que le Cameroun est un pays très jeune. Moi, j'ai fait mes études supérieures en Europe et les jeunes qui naissent, les enfants qui naissent, les jeunes qui grandissent, qui travaillent, qui vont à l'école, finissent toujours par trouver du travail. Si dans les vieux pays, il y a encore l'espoir. Oui. À plus forte raison dans nos jeunes pays où tout est encore possible, tout est en chantier. Donc vous pouvez ne pas avoir de travail aujourd'hui, mais demain, il y en aura. Le plus important, c'est de se former maintenant pour que demain, on n'est pas à, quand le travail va arriver, on n'est pas à retourner à l'école. Oui. Pour apprendre et arriver, revenir, aller travailler. Et trouver que les autres sont partis. Voilà, donc c'est ça. Il faut garder l'espoir, il faut se battre. Le Cameroun est un chantier. Nous avons bon espoir qu'un jour, les choses vont se mettre en place. D'ailleurs, je crois qu'il y a une bonne tendance maintenant, oui, avec tous ces chantiers qui sont en cours. Je crois que d'ici une dizaine d'années, on va résorber le chômage à un très fort pourcentage. Et aux femmes? Aux femmes, je dis que ce sont les leviers, n'est-ce pas, de la société. Quel que soit ce qu'on peut dire, peut-être qu'elles ne sont pas conscientes de leur responsabilité, ni de leur place, de leur rôle dans la société. Notre place de choix. Voilà. Vous voyez, au niveau de l'Église, on dit que la Vierge Marie, hein, c'est elle qui est la mère de l'humanité. Donc au niveau des familles, c'est la femme qui est la mère de la famille. Tout à donc fait. Elle a un rôle à jouer. D'ailleurs, sans la femme, nous ne serions pas là. Oui. Nous ne serions pas là. Sans la femme, nous ne serions pas là. Sans la femme, nous n'aurions pas de très belles fleurs, voilà, comme on en a dans votre chefferie. Malheureusement, sans... on n'a pas eu l'occasion de rencontrer la reine. C'était là une autre occasion. Ouais. Elle aimerait bien vous rencontrer aussi. Sans la femme, nous n'aurions pas de bon dolet comme absolument des gussets ici. Hein? Absolument. La bonne nourriture, la bonne vie, parce que la santé est d'abord conditionnée par l'assiette. Oui. Majesté, nous avons été très heureux en votre compagnie. L'équipe de Manège Savoir vous dit merci et bonne continuité. Nous reviendrons ici voir les complexes que vous mettrez sur pied pour les jeunes. Que fait le Seigneur vous accompagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, excellente journée en compagnie du programme de la CRTV. Merci.